du MNST Nassara, réunis en session extraordinaire ce jour 3 février 2021 au siège du parti à Niamey. Après une analyse approfondie de la situation sociopolitique nationale, fait la déclaration suivante. Les 13 et 27 décembre 2020 se sont tenues respectivement dans notre pays les élections locales et l'élection présidentielle, premier tour couplé aux élections législatives. Le bureau politique national du MNSD Nassara se réjouit du déroulement de ces scrutins marqués par une forte participation des citoyens pour voter dans le calme, la tranquillité et la paix. Le bureau politique national salue cette grande mobilisation et félicite le peuple nigérien pour sa maturité politique. Le bureau politique national félicite les militantes et les militants du parti ainsi que ceux de ses alliés qui, malgré les conditions souvent difficiles de l'organisation des scrutins, ont apporté leur soutien au MNSD Nassara. Le bureau politique national prend acte de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle premier tour, à l'issue de laquelle les candidats Bazoum Mohamed du PNDS Tareya et Mahamane Ousmane du RDR Tchangi, classés respectivement premier et deuxième, ils sont donc qualifiés pour le second tour prévu pour le 21 février 2021. Après une analyse rétrospective de la situation sociopolitique du pays, le Bureau politique national, après en avoir délibéré ce jour 3 février 2021 et conformément à ses textes fondamentaux, soucieux du respect scrupuleux de la Constitution, en particulier des dispositions de son article 134 qui stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Il lie les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Convaincu que la souveraineté nationale appartient au peuple, comme le stipule l'article 4 de notre Constitution, soucieux de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, chère à notre peuple, conscient de l'attachement de notre peuple à la stabilité politique et institutionnelle gage d'une paix durable, soucieux de créer et de maintenir durablement les conditions d'un développement économique et social cher à notre pays, prenant en compte le contexte actuel marqué hélas par de nombreux défis persistants, en l'occurrence la situation sécuritaire nationale et régionale. Constatant la similitude entre le programme du candidat du PNDS Tareya et celui du MNSD Nassara, ainsi que l'engagement du candidat à accorder une importance particulière aux questions de sécurité, d'équité, d'accès aux services sociaux de base, de développement rural inclusif et de bonne gouvernance en cas de victoire. Désireux de poursuivre sa collaboration avec le PNDS Tareya dans un esprit désormais fait de loyauté, de confiance mutuelle et d'engagement résolu à promouvoir un développement humain, équitable et accéléré pour nos vaillantes populations. Décide d'apporter son soutien à M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tareya. Appelle les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du MNSD Nassara, ainsi que ceux de ses alliés de l'Alliance pour la paix et la République, APR, à sortir massivement le 21 février 2021 pour voter en faveur du candidat Bazoum Mohamed. Lance un vibrant appel à tous les citoyens en vue d'un comportement exemplaire et patriote à l'occasion de ce scrutin, en mettant en avant le Niger et son peuple. Vive la République du Niger, unie et prospère, vive la démocratie,
Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Amen.